Salut tout le monde! Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Lord of the Jean pour une vidéo Jeanscovery sur le jean Erika Spirit. On les a découverts au mois d'avril avec la box Jeansation. Ils étaient accompagnés de quelques toniques de chez Misselheim et l'accord était absolument génial. On vous a un petit peu expliqué nos dégustations et on vous a fait un unboxing de tout ça sur Instagram pour lequel on vous met le lien soit sur l'écran soit dans la barre de description. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur la marque Erika Spirits. Un petit peu les découvertes qu'on a pu faire, les autres achats qu'on a fait évidemment. Et on va vous présenter un petit peu l'histoire de la marque, notre avis, nos dégustations. Pour ce qui est de la recette du cocktail, on mettra tout ça à la fin. Vous retrouverez la recette comme d'habitude dans la description. Cette fois on est parti sur un truc un peu plus salé, un peu plus sympa. J'espère que vous allez apprécier. Vous allez voir, ça va parfaitement avec la pâte Erika. Pour la naissance de la marque Erika, ça se passe en 2017 dans un bar. Trois amis qui discutent et qui décident de se lancer dans la fabrication de jeans. Ces trois amis, ce sont un cuisinier, un barman, un apiculteur, et ils vont se mettre ensemble pour créer ces petites merveilles. Et on se retrouve en 2018, la marque Erika Spirit est née. D'ailleurs, le nom de Erika est inspiré de la bruyère Erika, qui est la plante dont est faite le miel utilisé dans les jeans. Vraiment, ce thème du miel va se retrouver sur l'ensemble de leur gamme, que ça passe par les petites abeilles présentes sur leur bouteille ou encore dans les notes qu'on va retrouver à l'intérieur. Ce qui va être intéressant, c'est que malgré le fait qu'on puisse avoir des jeans plutôt secs en goût, le miel va donner une sorte de consistance et une texture qui leur est assez unique. Et en plus de ça, on va vraiment retrouver cette petite odeur très Erika au nez qui est impressionnante et qui se retrouve dans l'ensemble de leur gamme d'ailleurs. D'ailleurs, même en cocktail, même mélangé à des toniques ou autres, on retrouve quand même, et c'est pas du tout en goût qui s'y passe en fait. La philosophie de la marque, c'est de faire un jean autour de ce qu'on appelle le jean craft, c'est-à-dire de faire un jean artisanal autour de produits locaux. Actuellement, leur gamme se compose de 5 spiritueux différents, dont 4 jeans et une vodka. Ici, vous vous doutez bien, on ne va parler que du jean, et dans ces 4 jeans, il y en a un seul qu'on n'a pas goûté, c'est le Gascona Dry, qui est le plus classique, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les 3 autres références. On se retrouve donc avec un Heavy Strength, avec une teneur d'alcool de 57%. Un jean de printemps qui est là, et la petite mignonnette de Holtom. Leurs bouteilles sont faites par batch, donc sont numérotées, et je pense que c'est pour ça qu'on peut s'attendre à avoir des différences d'une année à l'autre par rapport au miel qui va être utilisé. Dans la référence, on retrouve par exemple le jean de printemps Erika. Sa petite particularité, c'est que les fleurs de sureau qui sont utilisées dans sa fabrication sont cueillies à la main. Vous allez voir du coup que c'est la première bouteille qu'on a découverte grâce au jour à Jeansation, et personnellement, ça a été un grand coup de cœur. En fait, ça a vraiment été l'élément déclencheur qui a fait qu'on a voulu tester plus de leur gamme. Et c'est la petite, vraiment le goût très particulier à Erika. C'est la pâte Erika, c'est la pâte. Qu'on a réussi à identifier directement. Ouais. Et qui a fait qu'on a voulu en découvrir plus. Quand on l'a consommé seul, à sec, on l'a trouvé extrêmement frais, extrêmement floral, avec des notes de poivre qui viennent très longtemps en bouche et avec un arrière de sureau et de miel qui tient vraiment sur la langue. C'était vraiment très agréable à consommer. La texture, moi personnellement, c'est une des particularités que j'apprécie le plus, puisque comme je le disais précédemment, le goût est quand même assez sec, malgré le sureau et le miel. Mais il y a quand même une petite texture sur la langue qui reste et qui le rend très appréciable. On n'a pas la bouche sèche au pâte après. Et on n'a pas vraiment l'impression de devoir toujours, comme si la bouche était gorgée de sucre, on a envie de le boire par plaisir, pas le boire parce qu'on a soif. C'est ça exactement, c'est pas du tout écœurant. On a ensuite le Navy Strength qui est très caractéristique de ce type de jean, qui est extrêmement fort avec une très haute teneur en alcool. On parle quand même de 57 degrés, hein, c'est pas rien. Pour celui-ci, on se retrouve vraiment avec un uppercut, que ce soit dans les saveurs et surtout dans l'alcool. On a vraiment des notes de poivre et de bois qui durent très longtemps en bouche, et je dois avouer que c'est probablement un de mes préférés. A titre personnel, c'est le genre de jean que j'aime un peu moins, justement à cause de cette forte teneur en alcool. C'est un peu trop brutal pour moi. Par contre, on sent vraiment bien les goûts et la pâte Erika, ça y a aucun doute. C'est juste une question de préférence personnelle sur vraiment la force de l'alcool. Ensuite, on a également le Holtom qui, lui, a la particularité d'avoir été macéré dans un mélange d'estragon, de thym et de rose après la distillation, puis sucré au miel de bruyère. Il est très intéressant parce que même s'il est passé par toutes ces étapes après, on trouve quand même la pâte Erika, que ce soit au nez ou au goût, avec un côté un peu plus chaud, plus réconfortant encore. Totalement, même au nez, il y a vraiment comme un feutre qui s'est posé dessus pour adoucir le tout, mais sans compromettre les arômes. C'est peut-être l'un des plus complexes qu'on a dans la gamme, que ce soit au niveau des goûts et de la recherche de texture. C'est vrai parce qu'il y a quand même l'effet miel en fait, ouais. Qui reste d'autant plus. Et je pense
que c'est peut-être mon préféré des trois. En tout cas, on a hâte de goûter les futurs batchs de l'an prochain. Potentiellement pour comparer à cette année, voir un petit peu comment le miel influence le goût et la pâte Erika. Voir si la pâte Erika reste la même ou s'il y a encore des petites nuances par rapport aux années. En tout cas, ouais, ça peut être très intéressant de pouvoir comparer les deux. Tout au long de cet épisode, du coup, on a dégusté le Navy Strength en Gin Fizz, à base du coup de citron et de blanc d'œuf. Petit côté salin, très sympa. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez pu goûter le Gin Erika, si c'est le cas, quelles sont les particularités que vous avez aimées. Également, les cocktails dans lesquels vous aimez les intégrer. Et retrouvez-nous sur Instagram pour du contenu exclusif. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Lord of the Gin et à liker la vidéo. Et maintenant, place à la recette. On espère que cette vidéo vous a plu autant à vous qu'à nous. Et nous on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Salut. Salut.